Et salut à tous, c'est Peter, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ton of War 2. Et je pense que je vais me faire ces deux là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Les orques ont frappé une autre cible importante. Un puissant chef orque appelé Gutrencha mène l'assaut. Mais quelqu'un doit lui avoir indiqué cette cible, sans même qu'il en soit conscient. Emmenez vos escouades et éliminez cet animal avant qu'il ne cause plus de dégâts. Restez à l'affût d'indices pour découvrir qui le manipule. Ah, je me demande bien qui c'est. Dans bien qui manipule les orques. Un sorcier du chaos? Un écron? Ou un Eldar? Habitus est un spécialiste des orques capable de déchaîner des... Très peu de temps, son escouade dévastateur laisse rarement des survivants dans son sillage. Vétéran ayant participé à d'innombrables batailles, Habitus considère sa reine envers lui comme sa plus grande arme. Il a du mal à contenir cette rage bouillonnante lorsqu'il entre sur le champ de bataille et ses équipiers... En plaisante parfois en disant qu'il craigne moins l'ennemi qu'Avitus. Reste que ce mec-là ne respecte pas les gardes impériaux, je précise. En plus d'être enragé face à l'ennemi, il ne respecte pas les gardes impériaux. Allez, atterrissage. La position de Gutrencha est indiquée sur votre carte, commandant. Vous devez franchir les rangs des orques qui le protègent. Ok. Nous, pour l'instant, j'ai vu deux trucs intéressants sur la carte. Chargé de munitions là-dedans. Bah, ça a un peu de mal là aujourd'hui. Juste Cyrus pour l'instant. Commandant, vous êtes près d'un important relais de communication. Capturer ce dispositif nous donnerait plus de pouvoir, commandant. Ce dispositif est bien défendu. Il sera difficile de le capturer. Oh, je sais que ça. Oh oh. Ça par contre, faut vite qu'on les élimine. Comme ça. Ah, Cyrus. Qu'est-ce que c'est? Ah, des chocolats. Le dispositif est entre nos mains. Déploiement des générateurs en cours, commandant.
Les autres générateurs ne seront disponibles qu'au prochain déploiement. Maintenant, la balise. Bon, t'es gentil, toi, accélère un peu. Voilà, merci. Résistant. Vraiment que je corrige ça. Et la balise, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais il y en a ici aussi. De grenade. Ah d'accord. Cyrus, une charge de démolition, ce serait pas de refus là-dedans. Est-ce qu'il y a des caisses là qu'on puisse recharger? Qu'on puisse recharger les... Comment ça s'appelle? Les kits médicaux. Le capturer? Bah non, j'ai déjà capturé le... Enfin, je vais vérifier quand même. Commandant, les générateurs de champ ne sont pas encore prêts. Attendez le prochain déploiement pour sécuriser un autre site stratégique. Ouais, c'est ça, je peux pas le capturer, c'est dommage. Caisse.
Ouais, c'est ça, je peux pas le capturer, c'est dommage. Non, il faut hacher les champignons après le petit. Mais qu'est-ce qu'il fout, habitué sur première ligne, ça veut. Je vais sur une grenade là-dedans. Il faut viser parce que celui-là il va nous casser les pieds. Oh oh, bougez! Et nous y voilà, nous allons affronter le boss. Je suppose qu'il est ici. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il se met pas en première ligne. Vous avez franchi mes boss, hein? Je vais devoir vous tuer moi-même. Bah viens. On veut ta mort, peau verte. Grenade ! Bougez, bougez. Qui vont vous sauver. Vite, 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 vite. Mais c'est pas vrai. Va démolir le mur, ça continue comme ça. Ouais, c'est ça, mets-toi sous le... Vitus, il a toujours ses soldats. Oh oh. Là par contre, capitaine est... Tactique, bougez. Quoi? C'est plus moi le boss? Ah, Zog est... La vermine orque est enfin morte. Prêt pour extraction, commandant. Bon, c'était rapide. Le zèle et la fureur sont récompensés par la victoire. Bolter l'aura amélioré, ça c'est pour Avitus. Beau travail, commandant. La mort de Götrencha a disséminé sa bande d'orques.
Je déploie une équipe pour fouiller les restes des orques et découvrir qui les soulève contre nous. A-t-on eu d'autres nouvelles du secteur voisin, capitaine ? Non, on a perdu le contact avec eux. Qu'est-ce qui pourrait détruire le réseau de communication d'un secteur entier en quelques jours ? On doit enquêter, mais la défense de Calderis est prioritaire. Commandant, déployez-vous à la surface dès que vos escouades seront prêtes. Ouais, bon, on va se faire celui-là. D'abord, des petites améliorations. Un accessoire. Ah, il n'y a que le kit médical. Mince. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, par contre, ça intéresse. Je vais augmenter un peu sa santé quand même. Ah, Tarkus, par contre, il peut avoir le... Bon, lui, il n'a pas d'amélioration particulière. Je vais augmenter la santé et les dégâts à distance. Bon, fulgurant, Tarkus apprend à tirer plus fréquemment. Ouais, je sais pas trop comment il faut prendre ça, mais... Alors, attends. Qu'est-ce qu'il a de plus en fait? Ok, il n'y a pas une grosse différence. Il faut que j'augmente un peu la santé à lui aussi. Alors ça c'est quoi? Oh, fusil à pompe. Ça c'est intéressant. Par contre, je peux pas lui mettre un autre accessoire. Bon, tant pis. Allez, hop. Commandant, les orques ont touché une autre cible critique. Les pillards orques sont menés par Sky Killa, un nob. Ce nob dirige une escouade de Shock Boys, des orques équipés de réacteurs dorsaux primitifs. Les Shock Boys sont des orques impitoyables qui frappent vite et fuient avant l'arrivée des renforts. Éliminez Sky Killa. Ça nous fera gagner du temps et on découvrira peut-être qui mène ces orques. Peut-être. Un sergent spaceman vétéran la redoute à Vassurus a choisi de consacrer à l'entraînement de celui-ci qui servent les Blue Ravens en tant que scout afin de les faire devenir des Space Marines à part entière. Le sergent Sirius apprécie les tactiques subtiles et non conformistes, ce qui n'est pas toujours du goût de ses collègues Space Marines. Mais grâce à cet assis, il a été remarqué par la Death Watch. Ah, c'est pas rien ça. Le mec s'est fait repérer par la Death Watch, c'est pas rien. C'est calme. Beaucoup trop calme, même. Position ennemie indiquée sur la carte, commandant. Là-bas, le sang va couler à grand flot. Continuez à fanfaronner et le sang sera nôtre. Starkus, tu vas m'envoyer. Bon. Donc il y a une balise ici, là il y a un temple, et là il y a notre cible. Bon, on va passer par là. C'est le temple qui m'intéresse. Pour le chapitre.
Merde, j'avais sélectionné tout le truc. Bon, ben, on laisse tomber. Shock Boys. Ils attaquent par derrière, ils sont pas fous. Du temple. Oula. L'ennemi souille un temple voué à l'empereur. On doit les éliminer et reprendre le temple. Commandant, le choix vous appartient. Mais ça risque de nous ralentir. Oh, si c'est que ça. Plein de ressources. Le temple est toujours à l'abri. Son contrôle nous renforcera au combat. Déploiement des générateurs en cours, commandant. Ouais, attention, hein. Les autres générateurs ne seront disponibles qu'au prochain déploiement. Sans pas nous les envoyer dans la figure. Maintenant. Merde, ça va pas marcher. Là, la balise elle est ici, ok. On passe par derrière, ils nous ont pas vus. Non, j'ai dit ils nous ont pas vus. On prend la balise qui est là. Oh oh. Shock Boys, Shock Boys. Vivement que je puisse avoir plus de troupes au corps à corps, parce que là j'ai que des troupes à distance. Parce que là j'ai que mon commandant qui peut se battre au corps à corps.
Allez, détruisons ça, qu'on puisse recharger. Et le boss est là au-dessus. Bon, juste un petit groupe de flank boys. Oh, là par contre. Alors, Avitus, je pense qu'il faut mieux que t'ailles dans celui-là. Et le commandant, il est où? Dites-le. J'arrive sur vous. Mais je vais continuer encore et toujours à vous craver. C'est l'heure de tuer. Le voilà. Fonce lui dessus. Enfin, il le met même pas à terre. Rien pourra vous sauver. Oh oh. Ne le laissez pas s'enfuir. Allez dans celui-là. Ah, il veut vraiment pas affronter le commandant. Ah, c'est pas... ah, allez. Allez. Ah ouais. Marine tactique. Vite, bougez, bougez. Là par contre faut que tout le monde bouge. Préparez-vous pour extraction. Cette victoire sera fédérée dans les mémoriaux. Oh,
coup. Voilà, j'ai gagné pas mal de trucs. Bien joué, commandant. On a trouvé des preuves importantes sur les restes des orques de Skykila et de Götrencha. Ils ont visité récemment la mine de Fellhammer dans les montagnes près d'Argus. Quelle que soit la personne qui contrôle les orques, elle doit utiliser Fellhammer comme base d'opération. Commandant. Bon, bah, je suppose qu'on va découvrir qui sont nos véritables ennemis. Même si moi j'ai ma petite idée déjà. Mais... dégâts au corps à corps, vitesse d'esprit, compétence au corps. Ah, ça par contre c'est intéressant. J'ai bien envie de lui filer le Rosarius, mais... alors Tarkus, oui. Ah, il a accès au à ce balter amélioré. Oh merde. Je voulais, là c'est santé. Force ses ennemis à attaquer le squad de Tarkus, mais c'est un gars à distance. Bon, c'est pas, enfin, c'est pas l'idéal cette technique, mais bon. Ça c'est pas mal pour se défendre justement au corps à corps. Hop. Alors ça c'est 9 distance de vision, 48 de santé, ok. 20% de distance de vision. Ah ça c'est intéressant. Et plus de précision. Ah là j'avoue que c'est plus intéressant. Ça en revanche, ça va à la main. C'est à lui que j'ai filé le Rosarius en attendant. Hop. Enregistré. Et moi je vais arrêter là. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut!